Et bonjour à toutes et à tous, c'est Munchy, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Mounted Blade Bannerlord 2. Alors, épisode précédent, bah ça y est, on a créé notre royaume, c'est bon, alors j'ai galéré, hein. J'ai galéré avec notamment les quitter royaume, etc. J'ai galéré à trouver les bonnes options, mais au final, on s'en est sorti, on a réussi à créer notre royaume, à finir la quête. Du coup, ce qui fait que maintenant, on est en guerre contre les Nordiques. Je pensais qu'on serait en paix, après avoir rapporté la bannière de Calradios, mais non, en fait, on est en guerre. Donc du coup, je vais devoir faire attention à ça. C'est vrai que je pourrais peut-être même prendre Réville en fait, hein. Je viens de réfléchir, mais ouais, Réville. Mais j'aimerais peut-être plus sécuriser aux morts d'abord. Ouais, vous savez quoi, on va faire ça. Et on va recruter en chemin. Allez, on va faire le tour des villes, bah, vu qu'il m'aime bien, en plus, c'est sous mon commandement. Allez, tac. Recruter. Alors, je vais pas demander mon pote. Ah, quoi que je peux peut-être te demander, ça me coûte rien en vrai, hein. Oui. Clan. Alors, groupe, lever une armée, je sais plus comment on fait, putain, what the fuck. Et une armée, voilà. Ça me coûte zéro d'influence, terminé, viens me rejoindre, merci. Voilà. Maintenant, on va à la Rhodes basse. Enfin, il va rejoindre mon pote, là. Armée d'Alvar. Putain, mais ils arrêtent jamais. Côté des troupes. Hein. Ils ont quoi? C'est comment pour voir le détail maintenant? Je sais plus. Ouais, halt. Ok. Forestiers sur... Beaucoup de forestiers. Beaucoup de recrues. Il y a moyen que je les explose. Ah, ils ont quand même des guerriers, oui. Des brigands, archers vétérans, soldats, surgiens Otroki, variag. Ils ont des variag. Ça, c'est chiant. Par contre, ouais, ils ont pas beaucoup d'archers, j'ai l'impression. Il y a moyen que je prenne l'avantage là-dessus, en vrai. Je vais attendre mon pote et on va peut-être essayer de les attaquer. On est deux fois moins nombreux, mais ça peut passer, je pense, hein, vu comment ils sont nuls. On attend à Varcheg, d'accord, ils veulent refaire un siège à Varcheg, très bien. Et moi mon siège ça va être ici. Allez, je vous attaque. Boum. Bien sûr, je ne veux pas de ça, d'accord. Vous savez que je suis obligé de vous donner une chance de ramper pour votre vie, allez-vous vous rendre ou pas? En fait, d'être celui qui devrait se rendre. Alors, battons-nous. C'est pas de souci. Allez, on attaque. J'espère que ça va bien se passer. Je vais devoir tout diriger, quoi. Et là, je vais faire le truc... qu'ils prennent tous le commandement, c'est plus pratique. Je vais me concentrer sur un seul truc. Peut-être prendre les archers avec moi. C'est eux les attaquants? Je crois, hein. Ouais, c'est eux les attaquants. Move. Voilà. Allez les gars. Position stratégique. Je vais aider mes archers, je vais tirer également à l'arc un petit peu. Ah ouais, je sais pas pourquoi il court au milieu de la plaine lui, hein. Il est déter. Hein. Alvar, il est mort, ok, très bien. J'ai pas compris leur délire, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire là? ils foncent pas. J'essaie de tirer dans le tas. Faire des kills, mais c'est compliqué, hein. Ça bouge beaucoup.
ça a du mal à vouloir charger, hein. Allez, chargez. Allez, on les défonce, ces enfoirés. Je suis dans le tas là, je me prends des dégâts, c'est pas bon. Putain de merde. Oh là 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 là, charnier. Je sais pas ce que je fais, je vois R. Eh, hey, t'es un connard toi. Allez, touché. Tiens. Allez, ça fuit. Ça a bien marché. Allez hop, ça détale comme des lapins. Eh bah super. Allez, ça dégage. Ouais, ça sert à rien de les continuer là. On était défenseurs, j'ai eu 18 morts quand même. Hein. Des forestiers, ok. Des recrues. Il va falloir que je leur fasse monter de niveau. Hein. Le groupe de machin, par contre, il a pris cher aussi, bah, d'accord. Il a perdu 17 quoi ? 17 volontaires bataniens, ah, ok, d'accord, ok. Bon, très bien. Et bah, Simir. Ah, il m'aime bien, Simir. Je pensais qu'il m'aimait pas, moi. Faut que je gagne la guerre, donc t'es mon prisonnier, mec. Hein. Prisonnier, voilà. Gagne des troupes. Prisonnier de 240, putain, au secours. Oui, faut que je monte de niveau, là. Il s'est passé quoi, là? Ouais, je préfère, merci. Sturgeon Linebreaker, on va en faire des lanciers. Marché Sturgeon, ouais. Fantassin. Recru, oui. Alors, on va se faire une dizaine de forestiers, je crois. Même 15. Manque d'archers, hein. Lancier, on va faire des Arxman. Évidemment. Brigand, tac, voilà. Les Sturgeon Hunter, ça passe en archer Sturgeon. Mon armée d'élite. À la Leonidas. Encore des archers, tac, voilà. Je verrai pour la cavalerie plus tard, hein, c'est pas grave. Je commence à avoir assez d'hommes dans une armée pour pouvoir faire un truc assez sympa. Des variags, vétérans, c'est bien ça. Des variags, des ursmix turgiens, putain c'est fort ça. Alors, en prisonnier, je vais essayer de prendre des bons prisonniers, hein. Pas de la merde. Dans les vice-pierman, c'est bien. Les Arxman, c'est bien. Heroic Windbreaker, c'est bien. Variag, très bien. Arbalétrie mercenaire. Garde mercenaire. Charger Windbreaker. Cavalry Pillard, ouais. Ok, bah le reste c'est un peu éclaté, donc écoutez, on va s'arrêter là. On ramasse le bubutin. Ah, par contre, ouais, j'ai pris cher. Hein. Et ouais. Alors que je fasse du recrutement pour un peu reprendre les hommes que j'ai perdus, mais même si là les Nordiques sont en train de bien les allumer. Hein. Ça crée des armées et tout, mais... Voilà,
la Mazadan. On recrute tout ce qu'on peut. Recruter, ouais, alors encore, hein, toujours plus de recrutement. En attendant, on continue à se soigner parce que j'ai un bon médecin, pour une fois. Ils sont nouveaux, ces sturgiens-là, je les avais pas vus avant. On va aller à Ovin. On gagne nos hommes, ça va, c'est cool. Et des troupes, ouais. On recrute tout ce qu'on peut, hein. Ah, faire s'est fait piller, merde. Putain, la vache, tout ce qu'il y a comme... tout ce qu'il y a comme pillard, bordel. C'est hallucinant. Faudra que je fasse un peu le tri, parce que... ça va vite me casser les couilles après, ça. Bon, tant qu'ils se rallient notre armée, ces abrutis-là, je vais essayer de leur prendre au mort. Monte la garnison. Ouais, ils sont 337 défenseurs quand même, hein. Ministre de mort et la garnison de mort, ouais, c'est beaucoup, hein. C'est beaucoup. Enfin, faudrait qu'on soit 300... qu'est-ce qu'il y a en ancien en dessous, lors d'un siège, on va se faire éclater avec les armes de siège et tout, ça va être horrible. Je sais pas ce que je peux faire à paraître plus nombreux, mais... monte mon groupe déjà. Enfin, je suis pas encore à la limite, mais... j'essaie d'aller chez les Nordiques pour recruter. Tant pis, je vais en territoire ennemi. En même temps, j'attends de voir si ça soigne mes alliés. Ah, Sturgeon et Impériaux de l'Ouest ont fait la paix. Ils étaient en guerre contre les Impériaux, sérieux? Très bien. C'est activé plan Istiana, je sais pas ce que c'est. Istiana connaît désormais l'ascension de votre bord de ciel. Les rumeurs disent que Istiana prévoit détruire vos progrès. Soyez prêts. Force conspirationniste 1000 sur 2000. Ah putain, ouais! C'est la nana. Impériale, quoi. Ah d'accord, ouais. Istiana, ouais. C'est vrai qu'elle a pas aimé que. Finalement, je parte du côté non impérial. Défenseurs, ils sont moins nombreux à Balgard, c'est bizarre. Étonnamment. De toute façon, ouais, la ville que je prends, c'est Omor. Ça serait trop... ça me mettrait trop bien que je prenne Omor, en vrai. Hein. Vlandiens contre Sturgiens. D'accord, les Vlandiens sont en guerre contre les Sturgiens. Ça, c'est bon, ça. C'est très très bon, ça. Tu me saoules, toi, je vais... défoncé, il arrête pas de me suivre, il me pète les couilles. Est-ce que je tente un siège en étant en infériorité numérique? C'est un peu ballsy quand même, hein. Non, je vais recruter en masse. Je vais recruter en masse et... ah tiens, je vais commencer à aller de ce côté-là. À 2000 de force conspirationniste, hein, c'est horrible. On est déjà à 1000, quoi. Oh, quel enfer. Ah, faut que j'aille à picoter. Faut que j'ai assez d'hommes, hein, j'ai pas le choix. Pour l'instant, mais mon pognon, ça va, je vais pas trop m'en préoccuper grâce aux armes de la forge. Dieu merci. Mais c'est vrai qu'à terme, faudra que je fasse gaffe aussi à ça. Alors, recruter, oui, c'est ça que je cherchais. Tac, 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 je peux recruter R, quoi. Insane. On recrute un peu de tout dans mon armée, des impériaux, des... mine de rien, j'approche bientôt de ma limite, moi, hein. Allez, j'essaie de retourner dans mes terres.
On est 255, ouais, faudrait peut-être que... La Brise Enflammée a conclu un contrat pour se battre aux côtés des Sturgiens. Fait chier, les mercenaires. Alors, on est comment niveau armée, là? Niveau diplomatie avec les Sturgiens. Force totale, ouais, ils sont 1000, d'accord, ok. Prisonniers, on est en train de les défoncer. Perte subie, ouais, ils perdent, hein. L'idéal, ce serait que je leur prenne aux morts, vraiment. Hein. J'ai envie de tenter, en vrai. J'ai envie de tenter, mais est-ce que c'est pas dangereux? Bah, allez, fuck, allez, on va tester. On verra bien ce que ça donne, allez. Siéger la ville. Par contre là je vais pas lésiner sur les trucs que je vais construire hein, parce que ça va être compliqué hein. Allez, tac, on construit le bélier. Elle s'est échappée de son côté. D'accord, ma nièce, elle s'est évadée. Ok, très bien. Bah, il va m'attaquer, c'est bien, attaque-moi, cool. J'attends que ça, mec. Ah, bah, t'es encore là, toi? Je vais te tenir en otage, toi. Nous allons nous battre jusqu'à notre dernier souffle. Ils nous attaquent, hein, donc écoutez, c'est eux qui vont venir à moi. On se planque dans le bois carrément. Ah, j'aurais peut-être dû avancer, profiter de la butte là, au lieu de reculer comme un con là dans la forêt. Et ça peut peut-être freiner leur cavalerie, je sais pas s'ils en ont beaucoup, j'ai pas fait gaffe. Hein. Moi je sais que j'en ai pas beaucoup. Ouais, non, ils en ont pas tant que ça non plus, hein. Evidar, c'est ton armée, c'est des recrues ou quoi? Je viens de te casser la gueule. Quoi qu'on a quand même bien reculé là. Ouais, allez là-bas les gars. Les archers sur la butte là, ouais, c'est une bonne position là. Une excellente position défensive. Archers qui se mettent au-dessus, ouais. C'est une excellente position défensive là qu'on a. Ils vont arriver, ils vont se casser les dents quoi. Terrible. Allez, amenez-vous. Une dizaine de cavaliers qui essaient de contourner là-bas. À tirer là, ouais. Allez, scratchez-vous dans l'infanterie, les gars, c'est bien.
Quelle bande de cons. Dans la tête. Allez. Charger l'infanterie. Les archers continuent à tirer. D'ailleurs, les archers, ouais. Allez vous amener ici. Hein. Vous allez faire le tour. Voilà. Bah, ceux qui fuient, on s'en fout. Faut vraiment que j'ai de la mêlée, là. Ils avaient des recrues et des guerriers de merde. Ça me semblait bizarre qu'ils aient beaucoup d'hommes également, vu que je viens de leur allumer, tout à l'heure. D'accord, tiens. Bon, on va s'entraîner un peu à l'archerie, là. Merde, ton cul. Ah, y'a qu'au moins. Allez, hop. Ah, c'est tellement drôle ça. D'attaquer les fuyards. Ah non. Ah, t'as retrouvé un élan de... Je veux me battre. Non mais continue à fuir les gars, c'est fini hein. Ouais, c'est fini. La honte, les gars. La te-on. On a quand même une dizaine de morts. Hein. Allez. C'est la fin pour eux. Bon, toi, t'es qu'un putain de mercenaire, en vrai, mais... Toujours un prisonnier. Pana est là. Ah, coucou, toi. Prisonnier. Ah, Vidar, il a réussi à se barrer, l'enculé. Bon, prisonnier, bah, ok. Bon, c'est au moment d'augmenter le niveau de méga. Et hop, tac. Voilà. Bariag à cheval. Tac. Garisturgien, ouais, tac, forestier. Encore des archers, hein. On va commencer à faire également des pillards pour de la cavalerie. Voilà. Industrixurgien. Je crois que j'ai passé Industrixurgien vétéran, là. Au secours. Super. Et dans les prisonniers, y'a personne qui veut rejoindre mon armée? Des volontaires bataniens, ouais, des trucs de mort, quoi. Ouais, non, non. Bon, on vient de leur casser le cul. Bon, du coup, on est un peu moins nombreux. Fait chier. Ça, c'est le désavantage. J'ai augmenté de niveau. Ah, on arc. Ah oui, bah tu m'étonnes, ouais. Discipline. Quel on, il y aura même 50 étonnants longue accuracy. C'est bien ça. Please, your damage against summons with bow binding. Ils ont maintenant cause des crises. D'accord. On va prendre discipline. Ah, je suis bientôt amélioré en athlétisme. Hein. Ok. Alors, bah écoutez, je crois qu'on va continuer le siège tout doucement. Hein. On va récupérer un petit peu de nos blessures. Hein. Ouais, j'accélère un peu le temps, faut que ça aille plus vite là pour construire les trucs par contre. La tour de siège est faite, ok. On va faire la deuxième tour. Je veux vraiment être prêt pour leur casser le cul, hein. Mais, Vidar, sur un... Ah bah ils sont en paix contre les... Oh putain, ils sont en guerre contre tout le monde, c'est impressionnant.
Ok, je vais essayer de faire... Non, et pause, faut que je lise. Missile engine... Endommager les murs, ouais. Trébucher, time to build, nanana. Est-ce que je fais comme des armes de siège ou est-ce que là j'attaque en mode gros bourrin, en mode balèque? Ou est-ce que j'essaie quand même de réduire un peu leur nombre? Non, allez, on va mener l'assaut. Allez, c'est bon. Putain, si je leur prends au mort, c'est la teon, quoi. On commence l'assaut. Allez les gars, poussez-moi tout ça. Ça, c'est pas bon ça. La gueule. Oh, je sais pas c'est quoi là. Pourquoi il a volé? Excellent. Merci mec, je vois R à cause de toi. Merde. Touché. Bâtard, toi, je t'ai vu, hein. Ha ! Un dance gueule. Ils arrivent avec le truc là, ok, très bien. Ça push. Je prends les dégâts, mais c'est anecdotique, hein. Vraiment, hein. Comparé à ce que moi je leur mets, y a pas photo, quoi. Hein. Et a raté. Touché, connard. J'ai plus de flèches. Allez, c'est parti. On va à la guerre. Allez, faites place, laissez passer le fric. Allez, on est sur les échafauds. Oh la vache! Ça tire sur les murs carrément, vous êtes fous quoi! Ah, j'ai pris quoi là? Ah, ça tire dans le tas, même sur leurs potes, ils sont fous les mecs! Je vous assure. Allez les gars, j'ai besoin d'hommes là. Oh putain la vache, massacre. C'est passé quoi là? Connard là. Thank you.
Bah, je suis un peu fuyard, moi. Bon, ça va, le siège te passe bien, on était moins nombreux, mais finalement, ouais. On a bien cassé les couilles aux archers. Et leurs balistes, elles nous ont pas fait trop mal, bizarrement. Je m'attendais à ce qu'on prenne plus cher, hein, je vous le cache pas. Ouais, ça se bat sur plusieurs fronts, je sais pas comment ça se passe ailleurs. Hein. Et ici, ça se passe plutôt bien, on est encore nombreux. Enfin, ils sont tous en bas, là. Pris des flèches. Comment que je les allume d'en bas là? Ce serait énorme. Ah si! Ah si qu'il y a moyen! Allez! Ah bon pour moi ça par contre. Ah. Faut que je me casse. Ils sont arrivés d'un coup, j'ai pas compris ce qui m'arrivait là. Dans la merde. Oh le fric. Oh putain de merde. Putain, heureusement que j'ai une bonne armure. Ta gueule. Putain, j'arrive pas à croire que je m'en sois sorti, quoi. Terrible. Putain, la vache. Tu vas où, toi, du con? Bon, ça va, on les défonce. Putain, là où je suis, c'était vraiment là où il restait tous les hommes, c'est ça? Ouais, ok. Je suis dans votre dos, les cons. Putain de merde, quel siège! Putain, je m'en suis sorti, je sais pas comment, les gars. Hein. C'était ouf. Hein. Regardez tout ce que j'ai plein de flèches sur moi. Putain, l'armure, quoi, mais cette armure, waouh! Ça a plus rien à voir avec le début, hein. C'est ouf, et on a pris au mort, allez, hop, dans votre gueule. Ah, cependant, non sans perte, mais putain, on est carrément au-dessus, quoi. Il fait que j'ai changé de niveau de difficulté, pareil, ça aide beaucoup, hein. Y a ça aussi. Allez, les gars, montez de niveau, hein, évidemment, vous montez de niveau. Surgien, Variag, ouais, voilà, tac. Variag. Variag vétéran. Mise à jour, Variag vétéran. Rocky, mid XP, vous avez... Ah, merde, ok. Surgien, tac, soldat surgien. Est-ce que je fais des lignes? Non, je vais continuer sur les lanciers et les Arxman, c'est toujours bien d'avoir des boucliers. Recru. Ouais, forestier. Conscrit impérial, on va faire des archers, je pense. Bon, fantassin, tiens, les fantassins impériaux, c'est fort. Voilà. Les prisonniers, ouais, putain. 63, ouais, non, terminé, c'est bon. On prend tout le butin. Chaud, merci. Voilà. D'accord, et au mort, c'est à moi. Très bien. C'est génial. Nourriture, ok. Il n'y a plus de milice, c'est normal. Bon, j'ai pas encore de mec à mettre sous mon fief. Mais on a pris au mort. Je suis un nouveau propriétaire de mort, d'accord, ok, ça me demande même pas mon avis, ça me demande même pas de vote ni que dalle. Très bien, bon bah ça, il m'a bien aidé mon pote là. Bon, j'ai 52 blessés, ouais, faut vraiment qu'on se serre les coudes. Toi, t'es sûr que tu peux faire la paix avec moi, mon pote là? De diplomatie, bon, on a quand même remporté un siège, on est en train de vous casser la gueule, votre force totale, ils sont... ils sont en guerre contre les Vlandiens. Terrible pour eux, hein.
Au chiré quand même, putain, la force conspirationniste là, c'est chiant, hein. Me taper une horde d'impériaux qui vont vouloir me casser le cul. Pétard de mort, ouais, je sais. Très bien. Alors, je suis propriétaire de mort, maintenant gérer la ville. Faut que je mette quelqu'un en gouverneur, mais. Si bah là, mais elle est bien pour faire les sièges en fait, faut vraiment que je recrute quelqu'un. Ma fille, je veux bien, mais elle apporte rien quoi en fait. Ah tiens, parlant de mort, je vais voir dans faire un tour dans la taverne, voir s'il n'y a pas des compagnons intéressants. Marginal. Bon. La vagabonde. Le boucher. Il y a beaucoup de gens, hein. Quand je suis rouge avec lui, je pense qu'il m'aime pas trop. La vendeuse d'épices, elle peut être bien pour gérer le fief, Wissan, là. J'ai envie de la prendre. Parler, quick talk. Hein. Ouais, tu vas rester ici, je vais te... Bah, déjà, on va peut-être rançonner les prisonniers, parce que c'est vrai que j'en ai un paquet, là, voilà. Tac, retourne au centre-ville, gérer la ville. La vendeuse d'épices. Va gérer ça. Grenier, plus de bouffe. On va laisser sur irrigation. Toujours bien d'avoir de la bouffe comme ça. La milice, ça augmentera plus vite. Fortification, capacité de garnison. Ouais, c'est bien d'avoir plus de capacité de garnison également. Hein. Casernes de garnison, capacité de garnison. Ouais, il y a beaucoup de trucs. Prospérité, c'est bien. Atelier. Non, mais ça, on s'en fout. Limite, je vais le virer. Atelier, ça vire. Quoi qu'on fait pour virer, par contre. Hein. Faut faire le plus pour virer, c'est ce qui est logique. Hein. On notera. Putain, bande de cons. Terrain d'entraînement, non. Ah, plus d'XP pour les troupes en garnison, c'est bien, ouais. Morale au fief, place du marché, plus pour les impôts, ils sont déjà niveau 3, ces trucs-là, c'est pas mal. On va faire une fortification qui se met en merde. Non, c'est ça qui va là. Aqueduc. Fortification. Voilà, comme ça, on a notre timeline. Je vais ajouter 20 000 balles. Ça aidera un peu. Voilà. Ok, bon. On a repris au mort. C'était pas une mince affaire. Enfin, c'est au nom qui se fait assiéger. Bon, d'accord, on va les laisser. Je pense qu'ils sont assez dans la merde avec ça. Château d'Ove, ouais, ça c'est toujours ma femme qui le gère, donc j'ai intérêt à faire gaffe d'ailleurs. Je vais voir un peu ce que ça dit là-bas, tiens. Ah, je peux aller à faire, c'est bon, on est plus pillé. 286 défenseurs, c'est pas dégueu. Recruter des troupes. Hein. Un peu le plein. Eh, c'est vrai qu'au mort, j'ai pas recruté des troupes. Je peux y aller, en fait, maintenant. Hein, ouais. Entre 44 pierres, ça m'emmerde un peu. Il y en a beaucoup. Hein. Intérêt à faire le ménage, quoi. Ça fera de l'XP gratos, en plus. C'est tout bénef. Charge financière, 723. Putain, on est en positif, quoi. Recruter des troupes. Ah, putain, c'est vrai qu'on sort d'un siège en même temps. Je suis un peu con. Au niveau moral, mes hommes, ils ont un moral d'enfer, quoi, c'est... Fodor a été capturé par Varnavopol. Quoi? Non, mais vous déconnez. Enfin, les Vlandiens qui veulent... Pourquoi au juste, en fait? Qu'est-ce que je vous ai fait? Je vous ai rien fait. Je vous ai rien fait, vous me déclarez la guerre, vous êtes vraiment des connards. Putain, c'est pas vrai. Oh! Ah, ça a marché la paix?
D'accord, j'ai réussi à faire la paix avec les surgiens. Bon. Bon, c'est mes putes, hein, ils me donnent de l'argent, mais... Ok, ils vont me foutre la paix pour l'instant. Très bien. J'ai eu assez de... Bon, j'ai plus à me soucier du nord, va falloir que je fasse gaffe au sud maintenant. On va retourner à Varcheg. Enfin, les Vlandiens, quoi. Toujours eux, toujours les mêmes, hein. Toujours les mêmes casse-couilles. On m'attaque avec 1300 mecs, là, sur un fief, là, je vais parler moldave. Non, il veut pas me rejoindre. Je vais voir combien ils sont à Cranny Rogue, par pure curiosité. Ils sont que dalle, ok. Cranny Rogue, si je veux, je le reprends comme ça, quoi. Là, il faut que je m'en fasse en homme parce que putain, j'ai pas le temps de souffler là, je suis tout le temps en guerre. Les Vlandiens, les Surgiens. Ah, ça va, heureusement qu'il y a ma capitale qui est là pour m'épauler un petit peu parce que putain. Ça, c'est pas des hommes dégueux en plus que je recrute à chaque fois ici. Hein. Ok. Eh bien écoutez, c'est pas un épisode dégueulasse donc je vous propose qu'on s'arrête là. Donc ça y est, on a réussi à prendre aux morts, ça bouge quand même mine de rien, hein. Bon, petit royaume, hein, mais bon, qui deviendra grand, enfin je l'espère, parce que là, c'est surtout les Vlandiens, toujours les mêmes, qui vont me casser les couilles, alors que je suis même plus chez les Sturgiens, enfin, voilà, ils sont vraiment extrêmement chiants. Et bon, on va essayer de leur gratter un peu du coup le château de Cranny Rogue et le château de Fitlock, ça pourrait être sympa, peut-être même le château d'Otelheim, on va essayer de leur gratter les châteaux, là. Je pense que c'est pas dégueulasse. Ils sont en guerre contre qui, d'ailleurs, j'ai pas regardé, niveau diplomatie. Ils sont en guerre contre les surgiens aussi, d'accord. Eux, ils servent à rien. Ah, on voit le truc, considère paying tribute D, d'accord. Support 0%, ok. Très bien, bon écoutez, on va s'arrêter là, je fais des bisous. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo si ça vous a plu, comme d'habitude. Et moi, je vous fais des bisous. Et à la prochaine, allez, des bisous, ciao, portez-vous bien.